Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Et dans cette vidéo, on va parler du patch 6.2 qui voit l'arrivée du serpent monde, Jormungandr, dans le jeu. C'est un nouveau dieu, ou nouveau personnage de la mythologie nordique, le serpent monde. C'est un gardien et il est extrêmement puissant. J'ai fait une vidéo hier dessus, n'hésitez pas à la regarder. On voit son kit de sort dans son intégralité. On voit qu'il a une auto-attaque qui est plutôt correcte. Un sort de dépush qui a 65 de portée, donc qui a plus de portée qu'une auto-attaque. Il a deux sorts de contrôle et un ulti qui lui permet de tower dive, enfin d'agresser de manière hyper simple. Donc plus un sort d'invisibilité. Donc il a énormément de choses qui vont lui permettre d'être très 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 chiant à mon avis dans les games. C'est un personnage qui à mon avis se verra nerfé dans les prochaines semaines, mois. On enchaîne avec les différents skins, il y en a 6 nouveaux skins. On commence par le roi Arthur, Condamnateur, un skin d'arc d'Arthur, il n'y en avait pas beaucoup. Tout simplement, et il est plutôt stylé. À noter bien évidemment que Arthur, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un des persos qui a l'un des plus mauvais winrate, tout elo confondu, mais à haut elo, bah, c'est un personnage qui est quand même assez puissant, donc c'est vraiment un perso assez technique. Donc ne bootez pas le personnage, essayez de vous entraîner un petit peu dessus. C'est vrai qu'il est très très mécanique, mais apparemment il est très fort quand on le maîtrise correctement. Le degré de maîtrise d'Arthur, ça va être d'utiliser par exemple ses attaques de base qui lui permettent parfois de se déplacer. Et comment savoir si on va se déplacer ou pas? Utiliser correctement le déplacement de cette truc qui permet en fait de moins souffrir quand on veut fuir et de moins souffrir quand on veut rattraper quelqu'un qu'on est en train de taper. Donc la maîtrise de ça, elle ne doit pas être si simple, et la maîtrise du kit de sort dans son intégralité, savoir quoi utiliser, quand, comment, pourquoi, c'est vrai que c'est assez technique tellement le personnage a de sort. On va écouter son voice pack. This world shall be cleansed of all life. The damned will once more rise again. On a ensuite un skin exclusivité liaison à un compte Switch, la Nice Force Stellaire, qui a l'air d'être un recolor d'un skin qu'on connaissait déjà de Nice. Ça me fait vachement penser à la Nice égyptienne, enfin égyptienne un peu à la Stargate. On ne peut pas écouter son voice pack puisqu'il n'est pas activé quand j'appuie ici. Ensuite, on a une exclusivité légende de Camelot, Naja, prince draconien, qui est assez stylé, qui est vrai qu'il fait vraiment personnage un petit peu dans l'univers de Camelot, donc c'est plutôt, plutôt stylé. Là aussi, on ne peut pas écouter son voice pack. On a ensuite un apouache oracle de l'infini qui sera dans les légendes de Camelot aussi et qui, c'est vrai, fait vraiment stylé. I will enlighten all those who challenge me, and those who refuse to learn will be destroyed. On a ensuite un skin Aconite féroce qui fait un peu penser à l'univers celtique, lui par contre, qui sera dans le coffre vacances de printemps. These outsiders think they can come here and destroy our home. They will feel nature's wrath. Et enfin, mon skin préféré, Chenga magicienne rose, coffre vacances de printemps également. J'aime beaucoup le style graphique de ce skin et je trouve de toute façon Chenga c'est un de mes persos préférés, même si je la joue assez peu. C'est vrai que c'est difficile à sortir en conquête, mais c'est vraiment un personnage que je trouve plaisant à jouer. I call upon the power of the moon and stars. Help me defeat my foes and make it through the day. Bon, j'aime pas trop son voice pack. Au moins c'est dit. On a ensuite l'Anur Recolor, l'Anur Mastery Gold qui a été modifié, ainsi que celui de Jormungandr qui arrive également, skin de maîtrise. Divers nouveaux éléments cosmétiques, les marques d'exécution fleurs, pack de commentateurs Aconite féroce, écran de chargement Roi Arthur, pack de commentateurs Roi Arthur. Project Olympus, vous savez, c'est le projet qui permet d'améliorer le jeu et une énorme modification des pénalités de déserteur. Augmentation du délai avant réinitialisation du déserteur de 1 à 5 jours. Donc maintenant, ça prendra 5 jours si vous désertez une fois. Au lieu d'être par contre la première pénalité du jour de 30 minutes, elle sera seulement de 10 minutes. Mais c'est juste que si... Par exemple, jour A, vous êtes déserteur parce que, je sais pas, vous avez un problème, vous devez changer la couche du bébé, hop, ça sera seulement 10 minutes de désertion. Après, vous pourrez jouer tranquillou quand il aura repris sa sieste.
Ensuite, vous êtes en galère le jour d'après, et bah de nouveau 10 minutes, au lieu d'avoir rien. Enfin, rien pour la première. Bah, non, 30 minutes. 30 minutes à chaque jour. Donc, c'est une diminution de la peine au début, parce que ça passe de 30 à 10, de 60 à 30. Et ensuite, augmentation de la troisième pénalité de déserteur. Donc là, pour ceux qui désertent vraiment en boucle pendant et qui sont vraiment pénibles, 4 heures. Et ceux qui désertent plus encore, 4 heures, 24 heures. Donc très clairement, les pénalités suivantes sont elles aussi de 24 heures. Donc très clairement, c'est pour être un peu moins dur envers ceux qui plantent une fois, voire deux fois, parce que voilà, bon, déjà deux fois, moi je trouve que c'est déjà beaucoup et ça aurait dû rester à 60 minutes au bout de deux fois, mais bon. Et au bout de la troisième fois, par contre, de passer une heure à 4 heures, c'est-à-dire que les jeunes là, qui jouent à Fortnite ou à Pixloul, voilà, légende, et bah bien évidemment, moi je connais le phénomène, le mec est pas content de sa game, il quitte le jeu et il part sur un autre jeu. Bah, voilà, c'est des débiles. On les connaît ces gens-là, et puis ils reviennent une heure après, ils refont une game, ah oh, ça se passe mal, paf, échappe, quitté, et puis ils vont sur Fortnite. Eh ben, forcément, ces mecs-là sont quand même casse-bonbons. Donc, c'est vrai que j'aurais préféré que la pénalité du déserteur, la deuxième, soit déjà de 60 minutes, pour éviter qu'on se tape ces mecs-là, quoi. Gameplay. En conquête, les indicateurs ont été ajoutés afin de signifier qu'une équipe a tué un objectif. En siège, les tours possèdent un icône sur l'écran de récap de mort et des meilleurs stats ainsi que sur leur barre de vie. Ok. Interface, la barre intérieure de l'écran d'accueil sur console a été modifiée afin de mieux rendre compte de sa nature. On a ensuite les problèmes résolus puisque le projet Olympus s'est également débugué le jeu. Donc là, il y a pas mal de débugs. Je vous laisse bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver tout ce qui a été corrigé. On a par contre des changements d'équilibrage conquête avec le totem de coup. Le totem qui est sur la solo lane qui vous permet de récupérer des goals que vous devez détruire toutes les minutes. Qui est très très important d'ailleurs à ne pas négliger. Les PV max du totem augmentaient davantage que souhaité à chaque fois qu'il était détruit. Le montant correct est de 200 PV à chaque fois qu'on le tue en plus. C'est vrai que dans la game avec Shaq, à un moment je l'ai quasiment tué tout le long. Et à un moment je mettais vachement de temps à le détruire. Et ben c'est parce que ça devait augmenter trop. Donc ça c'est plutôt bien. Problème corrigé. Le totem de coup ne peut plus être ciblé ni affecté par des compétences affectant uniquement les dieux. Est logique. Le totem de coup ne peut plus être attaqué lorsqu'il est inactif. D'accord. Bonus de vitesse, diminution du bonus de déplacement de 10 à 5%. Ah, dans le totem de coup. Dans le totem de coup, je rappelle que c'est dans la zone d'effet des tourelles, vous avez une augmentation de vitesse de déplacement ainsi qu'une régène de mana de mémoire. Donc ça passe à seulement 5%. Équilibrage d'objets. La bénédiction de l'assassin, oula, bénédiction, modification du bonus évolué, 10 de pénétration, 5 de pénétration et 5 de vitesse de déplacement. C'est un up. Ouais, c'est un up, hein. Ouais, c'est un nerf, c'est un up. Bah, ça va dépendre de l'assassin que vous jouez. Si vous jouez un assassin qui va faire genre... un assassin qui fait genre... Colère de Jotun, Matraque de Bagueur, Crusher, Bouclier du Vide. Bon, il a déjà suffisamment de pénétration, le mec. Hein. Perdre 5 de pénétration, c'est pas grave. Par contre, 5 de vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement, c'est une stat qui est broken dans un jeu où il n'y a que des skill shots. S'il y avait énormément de sorts qui étaient comme dans League of Legends, par exemple, tu cliques sur le mec et t'es à portée, le sort part obligatoirement et touche obligatoirement la personne, la vitesse de déplacement servirait quand même. Mais elle sert encore plus dans un jeu où la majorité des sorts sont esquivables. En faisant un pas de côté ou voilà, genre un 6 de Scylla, tu te décales de 2 mètres instantanément, tu te le prends jamais, quoi. Donc plus tu as de la vitesse de déplacement, plus tu peux dodge, plus un joueur correct du jeu qui connaît tous les sorts pourra être efficace en connaissant l'adversaire et en connaissant ce qu'il aurait tendance à faire pour tout esquiver. Donc de la vitesse de déplacement en retirant de la pénétration, alors la pénétration c'est une des stats les plus puissantes du jeu, si ce n'est la plus puissante du jeu. Mais la vitesse, c'est une des stats que je trouve l'une des plus puissantes du jeu également. Mais sous-estimée souvent.
Donc très clairement, je dirais que 5 de vitesse de déplacement, 5 de péné, c'est pas très grave comme modification. Je sais pas si, j'ai pas vu le stream, donc je sais pas s'il considère ça comme un nerf ou s'il considère ça comme un up. Voilà. Casque de Légion Céleste, augmentation du prix du coup. Donc c'est un nerf, diminution de la protection physique par charge, 10 à 7%. 10 à 7. Ah oui, donc c'est un gros nerf. Élixir de vitesse. Alors cet élixir, c'est vrai qu'il coûte très cher. Enfin, c'est pas qu'il coûte très cher. C'est qu'il faut, au moment où on l'achète, il faut aussi qu'on soit capable de acheter un nouvel item. Sinon, on perd des stats, d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le coût était peut-être trop élevé. Donc, il le passe de 2000 à 1500. Et je trouve ça assez logique. Car ça permettra d'acheter plus facilement le dit objet. Parce que là, si on a genre 3500 gold, on pourra acheter au moins le rang 2. Donc, ça équilibrera par rapport à un item un peu faible qu'on aura revendu. Comme, je sais pas moi, un item faible qu'on pourrait revendre. Il n'y en a plus trop maintenant des items faibles pour les mages. Je sais pas, bon, un bouclier de gladiateur pour les guerriers, c'est le genre d'item qu'on peut revendre à la fin, quoi. Lance de mage qui est nerfé, augmentation du prix de 2300 à 2450, réduction de la pénétration magique de 15 à 10. Bah, je pense que je vais arrêter de la faire, hein, et je vais tout simplement prendre. Surtout que sur celui-là, je vais complètement arrêter de la faire, ça c'est certain, je vais faire éclat d'obsidienne. Pourquoi? Parce que Scylla, déjà, on n'arrive pas à faire proc énormément la lance. Donc sur ma Scylla, ça va, c'est fini. Hein. C'est fini, je pense. Je prendrai l'éclat. Sur un mage qui fait des tics comme Anubis, bah ça reste toujours largement intéressant. Sur un personnage comme Kukulkan aussi, même si ça commence à s'essouffler un peu. Voilà, sur des personnages comme Discord, ça vaut plus le coup. Sur des personnages comme y a pas mal de personnages où je pense que ça vaut plus trop le coup. Sur un rat lance de mage, vous le faites pas qu'avec votre 3, mais c'est tout quoi. Donc j'aurais tendance à penser maintenant éclat d'obsidienne de is back. Pierre du vide qui est également nerfé, augmentation du prix 2150 à 2250 et réduction de l'aura. Ah, retour à la case départ, elle retourne à 15 de pénétration. Ah, la pierre du vide devient un item qu'on va plus trop faire sur les gardiens. Donc c'est des nerfs qui pourquoi le faire maintenant? On va le faire sur Bacchus peut-être, la pierre de vide, mais on va pas la faire sur tous les gardiens parce que ça commence à devenir un peu bof quoi. Donc c'est pour diminuer un petit peu la puissance des mages, parce que la pierre du vide, elle était faite sur les gardiens, qui permet d'augmenter les dégâts des mages, un peu les dégâts des gardiens bien sûr, mais ça augmente les dégâts des mages. La lance de mage est un nerf des mages. C'est un nerf des mages contre les compos fragiles, et vu que la méta c'est des compos fragiles, la lance de mage était le meilleur choix par rapport à l'éclat d'obsidienne. L'éclat d'obsidienne qui est pas terrible face à des gens qui ne prennent pas de résistance magique. Hein. Je rappelle, l'éclat d'obsidienne devient intéressant quand les gens ont, ou quand il y a au moins deux personnages qui ont 200 de résistance magique dans la game. Et donc il faut que vous ayez un gardien ultra tanky et un solo laner ultra tanky. Et là, votre éclat d'obsidienne sera intéressant. Si vous avez un Fenrir support qui joue mi-offensif, mi-défensif, et que vous avez en solo lane une Nox ou une Elle, une Aphrodite, votre lance de mage, votre éclat d'obsidienne, elle va prendre un petit peu de résistance, l'Aphrodite, elle sera pas la résistance qu'aurait un Vamana ou une résistance qu'aurait une Amaterasu, ou je sais pas, ce que vous voulez en solo, un Cuculane, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on prenait la lance de mage pour les mages, parce que la pénétration était suffisante de l'objet de la lance, et l'éclat d'obsidienne qui était des pénétrations en pourcentage mais faible si l'adversaire a peu de résistance et élevé si les personnages ont beaucoup de résistance. Donc le choix était vite vu dans une méta où les gens prennent des persos qui burst et qui tuent très très vite, de partir sur la lance. Donc très clairement maintenant, s'il y a un ou deux persos tanky, c'est direct éclat d'obsidienne pour moi. Sur la plupart de mes personnages que je joue, genre Janus, lance de mage, c'est pas terrible. Donc éclat d'obsidienne sur Janus, éclat d'obsidienne sur ma petite Scylla, etc., etc. Équilibrage des dieux. Gloire et splendeur. Augmentation du soin de 23 à 40, donc up du heal de Achille, ok. Bellona, maîtresse de guerre, c'est le passif de Bellona qui lui permet qu'à chaque auto-attaque, elle gagne en move speed, et chaque auto-attaque, elle gagne en protection. Augmentation des protections par charge de 4 à 5. Donc elle va devenir un petit peu plus résistante dans les teamfights si elle place pas mal d'auto-attaques. Donc pourquoi pas.
Cuculain, le chien du forgeron, augmentation des PV de base passant à 480, donc 5 PV de plus, et augmentation des dégâts d'attaque de base 38 à 39. Enragé, augmentation du taux de conversion de mana de 15 à 20%. Oh, pas mal. C'est-à-dire que la mana de Cuculain est transférée en PV, donc de 15 à 20%, ok. Pourquoi pas? Donc ça augmente ses PV de base quand il est enragé. Fafnir, force maudite, augmentation des dégâts de base. Oh, force maudite, c'est le 1. Oh, c'est plutôt pas dégueulasse pour l'early, ça. Pour la phase de lane. Si c'est le up du 1 de Fafnir, j'ai du mal à reconnaître les mots. Vous savez que Fafnir, je l'ai joué 3 fois. donc, j'ai du mal à retenir l'icône. Si c'est le up du 1 de Fafnir, c'est un sacré up pour la phase de lane en début de partie. C'est vrai que Fafnir, niveau 1, c'est pas le meilleur gardien du monde. Mais s'ils augmentent de 20 les dégâts sur les 6 sbires, vous voyez le délire. Hein, c'est 20 dégâts sur les 6 sbires. Donc, c'est une augmentation de 120 dégâts potentiel early. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, ça me semble vraiment correct. Freya, le perso permaban, diminution des soins à chaque coup de 2 à 1,5% de guerrière mystique. Aurore boréale, modification de la compétence à l'activation. Freya obtient 5 charges d'aurore boréale, alors ses prochaines attaques de base réussies ou non consomment une charge. Non mais c'est une blague, Freya, c'est une blague. Ayres, c'est une blague. Je suis sûr qu'ils vont finir par la retransformer comme elle était avant. C'est une blague, Freya. Freya, c'est de l'humour. C'est un one-man show du côté d'Ayres Studio. Le perso, il était très bien, très late game, mais très bien. Ils le détruisent. Il devient très early. Ils le détruisent. Et ils continuent de le détruire. Et ils continuent de le modifier. Mais ils n'y arrivent pas. Il n'y arrive pas du tout. Maintenant, tu peux faire balancer que 5 autos. Donc, ça équivaut à un sort qui n'est pas permanent. Vous voyez le délire? C'est-à-dire qu'on redevient un peu l'ancienne Freya. Elle redevient un peu l'ancienne... C'est complètement... Ouais, c'est drôle. Faut le prendre avec la rigolade. Pour les anciens, faut le prendre à la rigolade. Ils voulaient s'amuser avec Freya. Ils n'ont pas réussi. Et ben, on va finir par retrouver la Freya d'avant. Diminution des dégâts 40, 80, 120. Nanana. Diminution de l'efficacité de puissance de 40 à 10. Diminution de la durée de ralentissement 2 à 1,25. Putain, mais c'est différent. Ah oui, c'est plus du tout la même. C'est plus du tout le même sort. Il faut que je teste. Les charges n'expirent que lorsqu'elles sont utilisées. Cette compétence passe en phase de rechargement une fois toutes les charges consommées. L'arme de l'aurore. Diminution du coût en mana. 1, 20, 30. D'accord. Ok. Ok. Donc ça, c'est le premier sort. Il diminue le coût en mana. Par contre, le deuxième sort, il modifie pas mal. Ok. Là, j'ai du mal à comprendre. Hein, mais il faudrait que je teste. Hachiman, banderole de Céleste, ils augmentent les dégâts d'Hachiman. Oh non, mais il est chiant déjà ce personnage. Ce sort a une taille qui est immense. Banderole Céleste, c'est up, sérieusement. 305 de l'IA, c'est un perso qui est tellement safe. Il a un dash, il a un ultimate pour fuir, il a un ultimate pour chase. Oh, qu'est-ce qu'il est casse-bonbon. Ce perso me gonfle de jouer contre. Oh non, et maintenant il fait encore plus mal. Je suis un peu dingue. Parce qu'il faut penser que la banderole céleste, elle sert pas qu'à faire des dégâts. Elle sert à aussi augmenter sa move speed quand il est dedans, son attaque speed quand il est dedans, etc. etc. C'est un bon sort. Hein. Ouais, bon, bah, je suis pas fan hein, de ces modifications-là. Hercule, augmentation du bonus de prot. Ah bah oui, allez, rendez Hercule encore plus tanky. Bon, Hercule, de toute façon, c'est un dieu dégueulasse en conquête, mais c'est un dieu qui est tellement cool à jouer dans les autres modes, et tellement fort, je trouve. Donc pourquoi pas, je vous ferai peut-être une arène avec Hercule, j'aime beaucoup Hercule en arène, ou Hercule Hercule en joute, j'aime bien aussi. Hercule en siège aussi, c'est cool. Pas en siège, en conflit, le siège... C'est pas mon délire. Odin, cercle de lance. Donc l'ulti, l'effet n'applique plus le malus de vitesse d'attaque aux ennemis. Ah, ça ne ralentit plus la vitesse d'attaque des ennemis. D'accord. Intéressant. Sobek. Ah, Sobek, on l'avait vu dans la tête d'un pro. Augmentation des PV par niveau de 80 à 86. Ah, pas mal. Parce que ça fait une augmentation de 5 x 20
PV. Bénédiction du Nil, augmentation des protections par charge de 7 à 10. Bénédiction du Nil, c'est le passif de Sobek qui fait qu'à chaque fois qu'il lance une auto ou un sort, il gagne en prot. C'est un peu le même sort que Bellona, sauf que Bellona, elle a la prot et la vitesse de déplacement, elle a les deux. Ok, intéressant. Ça le fait quand même beaucoup plus tanké. Hein. 3 de prot en plus, ça se stack 3 fois, donc ça fait 9 de prot en plus. C'est pas à sous-estimer. Sylvanus, feu follet. Alors Sylvanus, de mémoire, il est plus du tout joué. Hein. Augmentation de la vitesse du projectile de 50 à 100, sans impact sur le délai avant la libération initiale des feux follets. Un impact des feux follets applique un tick supplémentaire de dégâts et de soins de même montant que les autres. Dégâts, tac, 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 soins, tac, tac, tac. Ok, donc c'est devenu un peu plus rapide à s'activer, j'ai l'impression, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi pas. Tir, augmentation de la protection de base de 15 à 18. Frappe touchante, augmentation du heal. Ah, oh, mais c'est déjà chiant de line contre ce truc. Non, mais c'est déjà chiant de line contre ce truc. On est d'accord. On est d'accord, tout. C'est chiant de line face à un tir. Il va se sustain encore plus. Bah dis donc, Iker se plaint beaucoup de ce patch. Non mais je sais pas dans quelle direction ça va. Après moi, je sais bien que Tyr est peut-être pas trop joué à niveau pro, mais bon, ça reste quand même un perso assez safe hein, et assez puissant. Vamana, colère colossale. Bon ça, je suis plutôt content de ce up. Entre en collision uniquement avec les joueurs et non les sbires et les monstres de la jungle. Ce qui permet en fait que quand on est sous ulti, de pas se faire body block. Et ça, c'est plutôt cool pour pouvoir foncer sur nos adversaires et leur donner des gros coups. Donc, plutôt bizarre ces changements. Je suis plutôt content pour le changement de Sobek. Doudin, ça me dérange pas. Hercule aussi. Achiman, j'aime pas. Freya, j'y comprends rien. Fafnir, je trouve ça intéressant. Kukulain, je trouve ça intéressant. Bellona aussi. Bon, ça va, grosso merdo, les ups ne me dérangent pas, à part le toin-toin sur Freya qui finit par être un one-man show, une blague, un sketch de Gad. Alors, je sais pas qui l'a volé, mais hop. J'ai rien dit. Attention, pas de polémique ici. Allez, on se retrouve nous dans une prochaine vidéo de Smite. Je suis plutôt content des skins. Bon, moi, j'aime beaucoup la Chenga, même si j'aime pas trop le voice pack. Mais de toute façon, je pense pas que je dépenserai trop d'argent dans les skins. Je pense que je vais économiser mon argent pour avoir le prochain Battle Pass. Puisqu'il y aura un Battle Pass dans Smite tous les deux mois. Et que le Battle Pass cette année me permet de récupérer... Enfin, le premier me permet de récupérer la Sol Chibi que j'aimais beaucoup. Et là, et le Anubis. L'Anubis, c'est tout à la fin. J'ai trop envie d'avoir l'Anubis. Je le trouve trop stylé. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi, vous trouvez le Battle Pass intéressant. Mon Battle Pass, ça vient de Fortnite. et ça vient de Paladin. Parce qu'on a des Battle Pass de Paladin depuis l'année dernière. L'arrivée des Battle Pass sur Smite, c'est bien. Ça donne envie de jouer. Donc, je trouve ça plutôt cool, moi, les Battle Pass. Surtout que généralement, ce sont des achats assez rentables. Sauf que le skin Sun Wukong, je le trouve dégueulasse. Et le skin de Nemesis, je l'aime pas trop non plus. Donc, moi, c'est juste pour la Sol Chibi et le Anubis que j'ai pris le Battle Pass de Smite. On se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce vers le haut, le commentaire. Et dites-moi ce que vous pensez de ces up et nerfs. Et essayez de m'expliquer ce que c'est que cette Freya chelou là. Et aussi, si vous comprenez, vous, le up de tir, parce que moi, déjà, c'est déjà un personnage que je trouve hallucinamment tanky sur une phase de lane, parce qu'il sustain toutes les 8 secondes, 9 secondes à peu près. Je trouve ça trop fort, en fait. Donc voilà. Allez, ciao.